connaissez le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Tiny Tiny's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Un morceau de sanctuaire brille dans le soleil avec brillance. C'est un affrontement là-dedans. Tabarnak! Ben ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ah par nice. J'ai de la misère à comprendre ces affaires-là. Qu'est-ce qui est meilleur que l'autre? Sa Majesté scintillante, la reine étalon du cul, veille sur ces terres depuis fort longtemps grâce à la magie spirituelle qu'elle leur insuffle.
Mais un tel ange gardien se doit d'être protégé, comme l'ont prouvé les terribles événements de la forteresse du dragon. C'est ainsi que la reine fonda une nouvelle cité fortifiée surplombant son royaume. Sabot Ardent, le siège du trône inflexible. Toujours là, Jess? Voilà, qui est. À présent, entre et fais du ménage. Même si t'es à la merci des ennemis et que tu manques d'y laisser ta peau. Oh, il y a plus qu'une étape. Ça m'évitera de faire le voyage. Ah, il est là le morceau de sanctuaire.
trouver tous les morceaux du sanctuaire des Kaïath. On est d'accord qu'il va clairement essayer de nous buter. On est d'accord. Mais non, trop pas. Il y a littéralement perfide dans son nom. C'est sûrement juste une coïncidence. Bon. Je te donnerais certainement accès à des richesses de dingo si tu reconstituais son sanctuaire. Kaïath, la déesse de l'argent, sourit à tes poches et à ta bouche. J'ai refait les sanctuaires, ça donne quoi? Tiens, je l'avais pas vu venir celle-là. Il s'est peut-être auto-poignardé? Un mystère de plus que personne ne résoudra jamais. Enfin bref, quand le sanctuaire sera remis d'aplomb, vous aurez la récompense rien que. Je l'ai eu, mais ça donne quoi? Rejoindre la butte du tombeau. Pas ici. J'ai pas été là-dedans encore. Rien. On a l'obligation morale de s'optimiser. Tu
Une crotte de fromage. Allez. Le sort de CJ lève une barrière protectrice autour de l'écran tenteur, laissant tous les ennemis assez fous pour tenter de la franchir. La reine dit que l'épée est cachée ici au cas où des esprits maléfiques se réveilleraient et auraient besoin d'être absorbés à tout jamais. Alors pourquoi elle n'a pas absorbé celle du Seigneur Dragon pour régler le problème ? Ben, parce que... il n'est pas ultra méchant non plus. Il faut bien un ennemi à combattre, Fred. Alors de quoi tu te plains ? J'avoue, Fred. Lèche-botte. Toujours là, Jess. Hey, salut les petits bolos. Yo. Vous venez pour la lame des âmes, je me trompe? Oh, ils m'ont enfermé ici, soi-disant que j'étais possessive. Tu parles. Mais je vais m'emparer de la lame. Et le Seigneur Dragon fera de moi son bras droit. D'approfondir son personnage, tire-lui dessus en pleine poire, violemment. Je me reconnais. Ça marchera jamais sur moi, adorable imbécile. Je t'ai bien dit que j'étais possessive. J'ai nul ce corps de toute façon. Je vais m'en trouver un beaucoup mieux. Comme moi, pas ultra méchant. Bien tenté. Mais c'est elle qui a fait de moi le méchant de toutes ces campagnes, alors qu'elle assume. Quoique je me souviens d'un... quoi, un sorcier. C'est un vrai ça. C'est sacrément beau. Ça. Yeah.
change de formule, toi. Quand je tue des ennemis, à savoir les faire taire pour de bon. Dans le mausolée, un coffre attire votre attention. Je vois ma mort défiler devant mes ennemis. Dégâts des armes à feu. Un sort magie noire, ben, objet. À moins que... Non. Noir permet de voler de la vie. Ça a l'air maléfique, ou plutôt moralement ambigu. Je vois qu'on s'adonne au pillage de tombes. T'es peut-être moins insipide que t'en as l'air, mais j'aurai quand même la lame avant toi. Et si on faisait un peu mieux connaissance, dans un coin tranquille et isolé, genre ta tombe. On pourrait pas plutôt rentrer tranquillement chez nous, si possible, avec les poches pleines pour moi.
t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire là. Oh yeah! Bon. Ça va, Cheeky Gamer? Cheeky Gamer, j'ai vu ça quelque part déjà. Que le main destin des plats. J'ai. Ah, il y en a une cachée là. Il y a sûrement que j'ai pas vu encore, que j'ai manqué. Sa Royale Majesté,
dit que vous devez trouver le tome du destin et lire à voix haute le credo de la main du destin afin de pouvoir accéder aux reliquaires sous les ruines. Allez, on y va. Ok, j'ai un tas de trucs, mais c'est loin d'être suffisant. Oh. Bon, j'ai plus qu'à créer une compo complètement fumée. Dégueulasse. Et où toi? Mais il est là. Je savais que je l'entendais, mais je le voyais pas. Je ne sais pas qui est là, mais je vous déconseille fortement les mouvements trop brusques. Votre voix résonne dans les ruines, Jordi. Mais aucune réponse.
truc. Crame-le, embrasse-le, tue-le. Du stress. C'est juste un mimique. C'est pour ça que je tire sur tous les coffres, par sécurité. Dans son agonie, le mimique dégobille le tome du destin tout gluant. Sur l'hôtel dehors. Mon ennemi juré. La lecture ? À voix haute. L'hôtel dehors. C'était le seul hôtel. Ah, c'est là l'hôtel. Le tome du destin sur le piédestal et lisez le credo de la main du destin. Le destin ne nous divise pas, il nous rapproche. Ouh, j'aime bien ça. Le destin nous rapproche. Je vais le mettre sur mon profil Twitter. Tu les crois vraiment, Tina ? Quoi ? Non ? C'est des conneries de fantaisie. Mais bon, d'un côté, le destin nous a rapprochés. Nous, pour jouer ensemble. Ou pas ? On s'en fout. Butte moisie est remplie de pourriture et de vaches à mort. Ça sent le mal et les ténèbres, et c'est foutrement dégueulasse. Ah, un peu comme la chambre de Valentine alors, en moins pire. Tout ça parce qu'une fois j'ai fait macérer du vin de ketchup. Thank you.
d'entraînement. Yes! Bien ça.
chargé avec de l'énergie spirituelle qui provient uniquement de la précieuse âme et de l'âme des êtres vivants. Moi, je connais une âme pas loin qui aurait bien besoin qu'on l'absorbe. Non, pas comme ça! Non! La lame des âmes tombe bruyamment au sol! Comme ça! Et maintenant, rapportez la lame à Sabot Ardent! Un portail de vide s'ouvre. Allons-y! Le sort s'acharne! What's up, Silent Star? How are you? D'une perle. Brisez-la, allez. Enfin, sans vouloir vous commander. J'ai un tas de trucs, mais c'est loin d'être suffisant. Grâce à la lame des âmes et vous-même, les armées de morts vivants ont été repoussées. Sabot Ardent, vous allez bien mériter un accueil de héros sans parler des honneurs devant. Encore quelques services dans la ville.
Mais j'entends une boule, mais je la vois pas. De nombreux trésors m'attendent là, quelque part. Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire dans ce jeu. C'est une feuille de poésie, bébé. Et où ça, tu vois ça, une feuille de poésie? J'ai peut-être pogné sans m'apercevoir. Hein? À moins que c'est ça en haut, là. Ok, là. On demanda une fois à un barde étourdi comment se faisait-il qu'il n'acheva pas ses vers. Il vous plaît le poème? Vous pourrez écouter la suite à la taverne de Savoie-Ardent. Ah, oh, là-dedans. Là, faut que je vois. Et je vais y aller après, je vais aller vérifier quelque chose. On va aller tout de suite, peu importe. I'm pretty good, Silence Star. Thank you.
Allez, on avance dans l'aventure. Les maisons se reconstruisent. La foule vous acclame. Vous on vous aime, main du destin. Merci. Moi aussi, je m'aime. Étalon du cul vous dit de regarder de ce côté. Elle vous a réservé une petite surprise toute spéciale. Bon statut, très peu servi. Contrôle technique, ok, pas cher. Beau travail, main du destin. La ville est hors de danger et à l'abri des raclures. Maintenant que le siège est levé, faites donc un tour des environs. Vous devriez commencer par aller voir la forgeronne. On va aller voir la forgeronne. Ouvre tes yeux. Je suis juste le miracle de savoir donc. Mandy Landon. La première fois que je croise une main du destin, il va vous falloir du meilleur matériel. On a terminé deux jeux aujourd'hui. D'art ou d'argent moi-même. J'ai un contrat d'exclusivité avec la couronne pour alimenter les distributeurs. Oui, je suis fier d'appartenir au complexe militaro-pré-industriel. Mais je peux vous proposer d'optimiser votre inventaire. Plus de balles, plus de butins, plus de joie. Un petit échantillon de mes services, c'est moi qui régale. La forge est votre meilleur allié. Elle affûtera vos talents et saura vous faire fondre. Les flingues, c'est pas compliqué. C'est simplement des coups portables qui tirent. Maintenant, puisque vous êtes dans le coin, passez donc voir la charmante nana qui tient la taverne à soda. Elle s'appelle Sif, et ses sodas sont à tomber par terre. Il fait rire. Je suis chargé en soufre, mais c'est bon pour les poumons. En fait, c'est parce que je suis au chômage, c'est pour ça que j'ai eu le temps de les... c'est pour ça que j'ai eu le temps de les finir. J'ai fini Hellblade, super bon jeu, super belle histoire, ça prend 7 heures. J'ai fini Carpocalypse, le jeu de cartes là. Les gobelins dans le jardin aromatique d'une alchimiste, si ça n'est pas l'aventure, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bonjour, sale pauvre. J'ai un souci de gobelin. Rendez-vous à ma ferme si vous avez soif d'argent et de violence. Direction mon jardin aromatique. Et que ça saute.
Allez voir Alma à la porte de l'arène. Ah, ah, ah. Peut-être là. D'autres choses. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mon cher ami? La carte du monde, je vais y aller. C'est là. Tant que je suis mêlé. Tant que j'ai mal au derrière aussi. Dans 15 minutes, faut que j'arrête, j'ai des choses à aller faire. Max. Allez voir Alma à la porte de la reine. J'ai-tu manqué un bout, moi, là? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Izzy fait les meilleurs sodas de la vie. Et si je lui fais de l'œil, j'ai même droit à une ristourne. Je me demande à quoi pensaient les dieux quand ils m'ont donné toutes ces compétences surpuissantes. Jardin des agréments. Par là, Izzy. Peut-être qu'elle est ailleurs. Sortons de là. C'est où la porte de la reine? Le portail de Sabot. Vous pouvez revenir à Sabot Ardent à tout moment pour utiliser une station modif éclair, acheter de l'équipement et plus encore, un portail pourra vous ramener.
Okay, c'est là la porte de la reine, ok. Ça va, hein? Ça s'appelle Easy, une quête secondaire. Qu'est-ce que tu me veux, Easy? Go forest, go forest, forest, go. Allez, Mystère, t'arrives à temps. On est là pour encore une quinzaine de minutes. Avant d'aller préparer le souper, j'ai une carte de fête à l'acheter aussi. Faut juste que la flèche violette, là. Tu vois ça? Mon jardin est infesté. Je suis riche, et vous, vous n'avez pas un radis. Tuez-les, et je vous paierai. Alors vous, vous avez de la chance que j'aime ton argent. Éliminez la vermine, et je vous jetterai quelques piécettes.
des gobelins. Oh. Des gobelins. Oh. Et je vais où maintenant? Ça, c'est un jardin. Des dents de gobelins. Elles sont tombées comme des pommes. Bonjour, les chiens d'enfer. Et ben voilà. Comme attendu. Oui. Il y a plus de gobelins. Il y a plus de vie de ton jardin non plus, par exemple. J'ai tout enlevé. Bon, eh bien, voilà qui est fait. Voici vos piécettes. Partez à présent. Je ne vous ai que trop vu. Non ! Ils sont morts ! Oh, mes plans sont tombés à l'eau ! Le jardin est clean. Bon. 30 sur 30. C'est rien que ça, j'ai monté jusqu'à date. C'est comme la défense. Parlez à Izzy. Izzy, c'est qui déjà? C'est ça l'affaire. Izzy, c'est de la construction, je pense. Non, Izzy, c'est... Non, Izzy, c'est un autre, ça. C'est un téléporteur qui a pas... Il y a comme 150 de ça, j'arrive pas à en trouver un. Il y en a un là-bas. C'est pas ça? Bon, mais si je veux sortir de là, faut que je me range jusqu'au bout. Oui, un point d'exclamation par là. Flûte, zut et reflûte. Quelle création infâme seriez-vous prêt à faire par amour? Vous avez tué mes gobelins. Vos gobelins? Depuis quand peut-on posséder des gobelins? J'ai attiré ces gobelins exprès. Voyez-vous, je suis amoureuse de l'alchimiste. Mon plan était de débouler, vaincre les gobelins aussi secs et sauver son jardin aromatique. Mais maintenant, comment je fais, moi, pour la séduire? J'en sais rien.
Je suis naturellement irrésistible. Ah bah merci, ça m'aide vachement. Bon, allez lui porter ses fleurs, d'accord ? Ardeur paysanne, hey, c'est bien joli, mais ça... On a l'obligation morale de s'optimiser. À qui j'amène les fleurs? Donne-moi les. Merci. Avec un peu de chance, on sera mariés d'ici le coucher du soleil. Bah ben ouais. Encore vous. Que voulez-vous? J'ai un petit truc pour vous. Eh bien, qu'attendez-vous pour me le donner? Des fleurs? Mais qui les envoie? La fermière. Vous lui avez tapé dans l'œil. Cette péquenaude ne m'arrive pas à la cheville. Je m'intéresserai à elle, à la Saint-Glinglin, quand les poules auront des dents, ou lorsque une copine à pois me déclamera un poème d'amour. Bon vent. J'ai bien entendu. Une gobeline à pois poète. Eh ben, franchement, c'est dans mes cordes. D'abord, on doit attirer un autre gobelin. Ah, c'est qui est folle. Une de gobelin le plus puant qui soit. Je crois sincèrement que c'était ironique. Ah bon? Je sais pas. Il y a qu'un moyen de le savoir, pas vrai? Pas de honte à perdre face au meilleur. Flora est en amour avec un alchimiste et elle est prête à tout pour lui prouver son amour, même à trouver une pagne de gobelins. Moi, je suis supposé les tuer ou... Quoi, une pagne de gobelins pour commencer? Pour tout, je les tue jusqu'à temps que... Thank you.
J'ai plus de balles. Non, là j'ai balles. Et hein, toi t'es où? Tantôt, j'étais à 4h, 3h15. Il m'a touché dans le dos, ben je commence à rentrer, c'est ce qui m'a fait peur. Sinon, je suis mort demain. C'est ça. Récupérer le bagne le plus dégueu qu'on puisse imaginer. Notre gobelin doit être le plus crado possible. Ouais.
Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Teeny Tiny's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh!